Passons à présent au deuxième enjeu, les démarches smart et les services aux citoyens. Et c'est un projet ambitieux, le M2I, Mobilité intégrée en Île-de-France, ou comment appliquer concrètement la notion de big data et de création de services sur un territoire d'envergure nationale qui se prépare en plus à recevoir les Jeux Olympiques de 2024. La personne qui va nous en parler est Werner Kutil. Il est responsable du développement international de la société Cityway. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Très content d'être là. Je vais vous parler aujourd'hui de ce projet très ambitieux en Île-de-France. Ce projet, c'est une plateforme. Elle s'appelle M2I pour mobilité intégrée en Île-de-France. Elle a comme ambition de faciliter les déplacements en Île-de-France en créant des solutions numériques d'un niveau de performance inégalé. Alors, le projet se font sur une approche globale de la mobilité. M2I intègre l'ensemble des mobilités publiques, privées, y compris la voiture particulière. Avant de rentrer dans le détail de M2I, j'aimerais vous parler de la Coupe d'Europe de football, l'Euro 2016. En Autriche, mon pays d'origine, on n'a pas la mer, on ne mange pas des cuisses de grenouilles. Mais on a comme vous des montagnes, beaucoup de montagnes, beaucoup de lacs, on joue aussi au foot et on voyage de temps en temps. Comme en juin 2016, pendant l'Euro de football, 35 000 Autrichiens qui se sont déplacés à Paris pour voir le match Islande-Autriche. Beaucoup de mes amis sont venus en voiture, en avion. Moi, je suis venu en train à partir d'Aix-en-Provence où j'habite. Tout le monde s'est logé dans des hôtels, chez l'habitant, chez des amis. Et tout le monde voulait voir ce match. Et tout le monde voulait aussi profiter un peu pour visiter un peu cette belle ville. Alors le jour du match, j'étais le guide attitré de la plupart de mes amis. Mais ce n'était pas le cas pour tout le monde. Des amis qui logeaient au sud de Paris, ils prenaient leur voiture. Ils se trouvaient vite bloqués par un accident, puis dans les bouchons pendant une heure et demie avant l'arrivée au stade. D'autres qui voulaient se garer bien en amont du stade, mais ils perdaient beaucoup de temps pour trouver une place de parking disponible et sécurisée. Et il y avait aussi ce couple d'amis qui arrivait déjà 2 jours avant, qui voulait visiter la ville, la région, mais qui n'étaient pas préparés, et finalement, ils ne faisaient qu'une partie de ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ils auraient pu voir. En fait, ils étaient perdus avec les distances, avec les transports, avec leur choix. Avec M2I, ça sera franchement passé différemment. Les 4 amis qui logent à Thiers, une petite ville au sud de Paris, ils louent une voiture pour leur séjour et ils demandent à l'application M2I le meilleur itinéraire pour aller au stade, pour arriver au stade vers 19h. En 2 clics, ils savent qu'ils peuvent amener leur voiture à un park and ride. Un park and ride. Le trajet dure 23 minutes en prenant en compte les conditions réelles de la circulation. Ils savent même que quand ils arriveront au parking, il y aura une place disponible pour eux. Puis 5 minutes, le trajet du park and ride vers la station RER. Et à 18h28, il y a le RER qui part vers le stade. Le système leur propose également une alternative tout en transport en commun. Est toujours en temps réel et en prédictif. J'en parlerai tout à l'heure sur la prédiction. Pour ceux qui étaient déjà en centre-ville, M2I pourrait proposer une combinaison Vélib plus transport en commun ou même un service de covoiturage via un véhicule qui était déjà en route et ce, au moment où il comptait partir. Alors, le couple d'amis qui avait une journée déjà avant le match pour visiter la ville. C'est facile.
Ils précisent leur point de départ, leur hôtel, la date, l'heure, le temps disponible, leurs préférences en matière de shopping, de sport, de culture. Ils peuvent même demander la prise en compte de la météo, qu'il n'y a pas dans la proposition du programme un Vélib quand il pleut, ou la visite des jardins botaniques quand il pleut. Et le système leur propose un programme d'enfer, un programme touristique d'enfer, la visite de la Tour Eiffel, puis une visite du musée Rodin, puis des jardins, autre chose. Toujours accompagné avec une proposition d'itinéraire de mobilité, c'est-à-dire la meilleure façon de se déplacer d'un point à un autre, et toujours en temps réel et prédictif. Alors, prédictif, je vais l'expliquer après, mais c'est en fait qu'est-ce qui va se passer dans 2 heures, est-ce qu'il y aura une place de parking libre, comment va être le trafic routier et tout ça, et à 4 heures, demain à 14 heures. Le programme est très flexible, ils peuvent supprimer une étape ou en rajouter une autre, et le recalcul se fait instantanément. Ça, c'est ma touche autrichienne. En fait, le recalcul se fait instantanément, le programme, l'itinéraire et la mobilité. Alors, ça, c'était pas encore. Voilà, une plateforme comme M2i facilite la mobilité, mais elle permet également à l'autorité organisatrice, qui est de mobilité, qui est Île-de-France Mobilité, une meilleure gestion de flux. Elle permet également à tous les partenaires, fournisseurs de données, fournisseurs de services, de mieux gérer leurs services, d'optimiser leurs services. Alors, comment ça marche? On collecte les données. En fait, le principe, c'est très classique. On collecte les données sur l'état de trafic routier, sur le remplissage des parkings, sur les VLS, est-ce qu'il y a des vélos pour prendre ou des places libres pour remettre son vélo, des données touristiques, tapis des, sur les points d'intérêt, sur les hôtels, sur les événements actuels ou à venir. Donc on collecte des données, on crée également des nouvelles données, je parlais via du crowdsourcing ou je parlais de la prédiction, donc on va calculer, par exemple pour le trafic routier, il y a 200 000 tronçons de route en Île-de-France, pour chaque tronçon, on calcule comment va être la vitesse en 2 minutes, en 30 minutes, dans 6 heures, demain, un jour jeudi scolaire, à 16h, à 16h10, à 18h. Donc on fait ça pour toutes les mobilités, les covoiturages, autopartage, les parkings, les vélos, les que sais-je. Et donc, on collecte des données, on crée de nouvelles données, et toutes ces données intégrées permettent de créer une plateforme riche et complète, qui permet par la suite, par les partenaires techniques, de développer à partir de cette plateforme des services de grande valeur ajoutée. Alors, j'ai parlé de deux, j'ai cité déjà deux de ces services, le calculateur multimodal prédictif et le calculateur touristique, mais il y a bien d'autres, c'est très vaste ce projet, il y a bien d'autres développements en cours ou presque finalisés. Il y a par exemple une plateforme, une application web où on peut analyser ces données donc pour chacun, mais également en combinaison avec les autres partenaires. Alors, les systèmes, les données s'enrichissent les uns les autres, et l'écosystème qui comprend tous les partenaires peut inventer au fur et à mesure des nouveaux services. Des nouveaux services, des nouvelles fonctionnalités qui ne seraient pas possibles si chacun travaille dans son coin. La capacité... J'aurais pu laisser ça. Bon. La capacité de la qualité des données dans sa totalité, elle dépend non seulement de la capacité de chacun de partager, mais aussi de se faire confiance on travaille ensemble. Alors, comment on est venu à un projet de telle envergure? Alors, le point de départ est venu d'un triple constat, du contexte très spécifique à l'Île-de-France.
Donc ça, c'est pour notre projet. Une région avec 12 millions d'habitants, plus de 45 millions, vous me corrigez, 45 millions de touristes par an, 180 millions de nuitées, et une offre de mobilité un peu éclatée, avec de nombreuses alternatives à la voiture solo. En fait, c'est un des objectifs de cette plateforme, de réduire la part de la voiture dans la quantité des déplacements des gens. Donc, des alternatives, on pense au réseau de transport en commun de Paris, l'offre des parkings globales, les taxis, les vélos, les Vélip avec 20 000 vélos, et ainsi de suite. Donc des alternatives, beaucoup de nombreuses alternatives, mais qui ne sont pas vraiment liées les unes avec les autres pour une optimisation de la mobilité globale. Alors M2i, ce projet qui combine tout ça, et qui, en plus, en temps réel prédictif, va transformer positivement, on est convaincu, le monde de la mobilité et la manière comment les personnes vont se déplacer dans les villes. Et je terminerai sur un chiffre. Alors, 60 milliards de données vont entrer tous les jours, directement ou indirectement, dans le système, et seront traitées et transformées en services de très grande valeur ajoutée pour tout le monde. Et on vous souhaite un peu la même chose pour votre projet, pour APID. Bonne journée. Merci beaucoup, Werner Kutil, pour toutes ces informations. Avons-nous des questions? Je pense que oui. La première. Est-ce que le M2i prend en compte les files d'attente aux principaux lieux touristiques? Alors, c'est une bonne question. Alors, M2i consomme déjà vos données, de données touristiques, qui sont finalement indispensables pour un projet comme ça, pour les calculateurs touristiques. Pour un point d'intérêt, pour un musée, c'est renseigné, en fait, déjà, il faut que ça soit renseigné là, toutes les informations possibles avec une photo, une valorisation du service, s'il y a aussi une prédiction à faire peut-être pour voir à quelle heure il y a plus de temps d'attente, si on intègre ça, pourquoi pas. En fait, donc ce n'est pas fermé. Voilà, c'est pas fermé, mais ça demande une manipulation. Il doit avoir l'information de quelque part, en fait. D'accord. Peut apporter APIDAE pour le projet? Alors, ça rejoint la question un peu. Il faut que chacun contribue, que les données sont fiables, le géocodage des POI, vraiment une valorisation en fait, du lieu, la description, les horaires, une belle photo, une description qui fait envie aussi, peut-être aussi en anglais ou d'autres langues, en allemand, s'il vous plaît. Et voilà, et après, on peut bien travailler, intégrer ça, et voilà. Donc, soigner ses présentations, ne pas oublier de multiplier les langues. On a une autre, question. Quel est le business model de M2i? Alors, vaste question. Alors, M2i, c'est un projet d'innovation. C'est un projet d'innovation qui dure 3 ans. Une longue réponse. Il y a 10 partenaires, un budget de 13 millions d'euros financé par l'Europe, par l'ADEME via les plans d'investissement d'avenir, et aussi les partenaires qui, eux, restent propriétaires intellectuels de ce qu'ils vont développer. Les fournisseurs de contenu, ils seront propriétaires de leurs données. On va mettre, donc ça va être, tout va être livré dans un an, c'est déjà en cours. Et après, on va mettre tout ça dans un living lab et on espère que ça va... Île-de-France Mobilité, le donneur d'ordre, va décider après une période de 18 mois quels éléments de ce projet sont bien utilisés, qui sont intéressants, qui ne coûtent pas trop cher. Donc, il y a aussi une évaluation de coût derrière.
et après va voir pour le futur. Peut-être que ce projet va remplacer Via Navigo qui est à Paris. En fait, voilà. Parfait. Donc, voilà. Merci beaucoup, Bernard Cutil, pour toutes ces informations. On peut vous applaudir. Je reprends ceci. Merci.